Hey tout le monde! Salut! Donc aujourd'hui nous sommes dans la ville de quelqu'un d'autre. Et oui, nous sommes dans la ville de... Amélia! Et oui, c'est la sœur de Camélie. Et Amélia, elle a ouvert. Donc c'est parti, on va dans sa ville. En fait on y est déjà, mais bon... Donc voilà, donc on va visiter sa ville. Dans Animal Crossing, elle a fait 4 personnages. Elle a fait Amélia, son personnage principal. Elle a fait Amélia, Akemi, Soprano et Potatoes. Désolée. Je vais vous montrer sa carte. Hop, voilà sa carte. Voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez sa carte? Après, elle est un peu remplie vers là. Là. Enfin, voilà, alors que là, elle est toute vide. Non, attends, là, elle est vide. Alors que là, elle est remplie. Là aussi, enfin, voilà. Ville. Pour... Ok, elle peut être mise en rêve. Donc, je vais vous montrer sa CR tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite sa CR. Donc voici la CR de Amélia. Donc vite à vif. Merde. Attendez, désolé, j'ai baissé mon écran. Donc vite à vif. Vite à vif avec. Non, vite à vif des avis. Donc voilà, donc elle vit à Oxa. Et son code onirique, c'est aïe, désolé, je me suis fait mal. Donc, son code onirique, c'est 7E00011CBA4A. Donc, voilà, donc, la débauche. Donc, voilà. Donc, on va visiter... Donc on va commencer par tout droit. Ok, il y a un rocher qui s'est installé. Il faudrait peut-être mettre des arbres sur les côtés. Enfin, je dis ça comme ça, mais... Ok, ça nous emmène à la place. Ok, on va retourner à la gare. On va aller par là. Parce que, ok, il y a un truc. Ok, on va suivre le chemin. Ça nous emmène encore à la place. Bon, ça disant, hop, à la mairie. Ok. On va utiliser l'autre chemin. Désolée, elles sont pas très pipelettes, hein, mes copines. Comparé à ma soeur. Et bientôt, je vous ferai une visite de la ville de ma soeur qui est encore en travaux. Et la visite de la ville de Amélia est encore en travaux, hein, sa ville. Hein. Faut pas vous imaginer qu'elle est parfaite, sa ville. Non, elle est encore en travaux. Voilà. Donc mettez un like si vous aimez sa ville. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous la présente. Si vous la voulez en amie. Elle est super sympa. Elle a déjà plein d'amis, mais elle pourrait peut-être en supprimer pour vous. Ça dépend si elle vous aime. Si vous lui montrez que vous êtes sympa. Oh, merci. De rien. Là, elle est sympa. Donc voilà. Donc ça vous emmène au café. Après, par contre, elle déteste le vol. Hein. Si vous lui volez... Enfin, remarque, qui aime le vol, j'ai envie de dire. Bah, les voleurs. Ok, donc en fait, elle fait que des chemins reliés à la gare. À la place, je veux dire. Ok. Vous voyez, c'est pas moche. Hein. Enfin, je trouve pas que c'est parfait. Parce qu'il manque encore un petit peu d'arbres, sans vouloir te vexer. Je pense que... Faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'arbres. Après, toi, est-ce que tu veux en mettre? Pas grave, ok. On va visiter après les maisons, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que d'abord, on fait la visite. Oh my god, la tête. Désolée, je l'aime pas. La visite de la plage, désolée, on ne fait pas parce qu'elle est en bazar, la plage. Elle met tous ses trucs par terre. Voilà, même moi elle voulait pas au début que je la visite, elle avait peur que je lui vole parce que c'était très très facile à lui voler sans vouloir te vexer.
Même moi, j'aurais pu te voler. Mais moi, je suis gentille, je ne vole pas. Enfin, je vole pas mes habits. Encore, il y a quelqu'un qui s'invite chez moi. Et que après, eh ben, il ouvre. Je vais peut-être le voler si je trouve un truc que je veux trop absolument. Non, je plaisante. Je vole pas. Ok. Mais maman, je lui ai donné des cadeaux là tout de suite. Je lui avais donné quelques petits cadeaux. Elle était contente. Et voilà. Après, juste comme ça, si vous me voulez en ami juste pour avoir des cadeaux et qu'après vous allez me supprimer sans vouloir vous vexer, c'est pas un truc que j'aime. Hein. Après, je crois que personne n'aime ça. Hein. Mais sérieusement, voilà. Donc, juste tout à l'heure, on a fait la visite de la tante. Il n'y a rien dans la tente, hein. Donc la tente, on va pas la visiter, désolé. Ok, donc voilà, donc maintenant les visites de la maison. Donc on va commencer par sa maison principale, donc voilà. Et après, on va enchaîner avec la maison de Soprano et la maison de Potatoes. Donc vous voyez, hein, vous pouvez lire tous ces commentaires en mettant en pause. Hein. Donc voilà sa maison principale. Donc sa maison principale, elle a fait une cuisine, une salle intérieure et tout. Voilà quoi, des trucs basiques. Donc comme vous voyez là, c'est sa salle principale. Voilà, si vous voulez savoir le kéké, elle a mis un bouge avec kéké. Voilà, si vous voulez savoir la musique. Je sais pas si vous avez le droit de copier sur sa maison. Est-ce que vous avez le droit? Hein, Orlan? Désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit Orlan. C'est quoi ce prénom? Désolée. J'ai dû confondre avec une de mes anciennes amies qui ressemble à Amelia. En fait, j'ai une copine qui était habillée quasiment pareil. Elle s'appelait Orlan. C'est pour ça. Quoi? Du coup, c'est pour ça en fait, j'ai confondu les deux. Donc, ici c'est la cuisine. Donc, sachant que les trois gyroïdes, plus ça, elle voulait pas les mettre. Elle veut les enlever. Donc, imaginez qu'ils sont pas là. Donc, voici la cuisine. Regardez qu'il est pas chez moi. Maintenant sa chambre qui est au sol. Voici sa chambre. Un bubblegum. Voilà, hein. Donc elle a une chambre d'amis, elle a une chambre d'amis en haut qui était son ancienne chambre. Voilà. Après moi un jour, plus tard, je vais vous faire la visite de la ville, du village de témoins. Parce que j'ai son ancienne maison. Donc voici la chambre d'amis avec un lit là-bas, un canapé, non un lit là. Donc elle cherche des meubles de la collection vas-y dis Amélia. Attends, elle cherche des meubles de la collection négligée. Voilà, elle cherche des meubles de la collection négligée. Elle veut le mur, donc le papier peint, le sol et la lampe. Et les portes, le placard, l'armoire. Donc elle veut l'armoire, la lampe et le mur et le sol. Donc si vous avez l'un des quatre, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire, mettez-moi votre avis et tout que je lui donne. Parce que je l'ai en connaissance. Donc voici la salle de bain. Et donc maintenant la pièce qui est là-bas, c'est un petit peu le grenier, le... on sait pas trop quoi. C'est un peu le bazar. C'est comme si c'était un gros placard. Avec un petit peu. Après, voilà, vous voyez, c'est un petit peu le grenier quoi.
J'en sais rien. Voilà, vous voyez, c'est un peu le grenier, quoi, avec le feu de camp et tout. Maintenant, je vais vous montrer les autres maisons. Je me téléporte là-bas. À tout de suite. À tout de suite. Attendez, je sais pas si ça a mis en pause. Je crois pas. Attendez, hop, je mets en pause. À tout de suite. Hop, retenons. Donc voilà, donc voici une autre maison. C'est la maison de... je sais plus. Je vous dirai tout à l'heure quand je ressortirai. Donc voici un petit peu en... Voilà. Donc maintenant, on va dans la maison de... Alors, attendez. Hop. Juste que je vous dise quelle maison c'était quand même. Donc, alors, attendez. Hop. Donc, c'était la maison de... Soprano. Donc, maintenant, on va aller voir la maison de... Tintintintin. Potatoes. Donc, hop, donc voici la maison de Potatoes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Allez, peut-être demain, je ne suis pas sûre. Allez, bye. Tu dis pas bye toi? Bye. Bye.